eu le mérite, malgré un début de match compliqué sur les 20 premières minutes, de revenir sur la fin de la première mi-temps. Et puis on a eu un début de deuxième mi-temps catastrophique, mais on joue à 13. Donc à partir de là, on se fragilise. Et je crois qu'il ne faut pas enlever le mérite de la victoire d'Agen. Il ne faut pas dire si on n'avait qu'à jouer à 15. Donc si on a joué à 15, c'est qu'à un moment donné, Agen nous a mis en difficulté, c'est qu'on a maîtrisé des choses qu'on devait maîtriser, qu'on n'a pas maîtrisé. Après, on voit qu'on arrive à remonter. Deuxième mi-temps, on fait le taf, on remonte encore. Et après, on finit le match avec une bonne défense. Donc, on était, pour moi, ma part, moi, j'étais confiant et j'avais que l'équipe allait bien bosser. Les 20 dernières minutes de la première mi-temps, on a commencé à déjouer un peu, on a joué dans notre camp. On savait la défense d'Aja très performante. Même si pendant 20 minutes, on les a quand même au foulé avec beaucoup d'agressivité, et quand ils ont voulu nous taper dedans, on a plutôt été agressif sur les plaquages. Mais après, sur une sortie de camp mal maîtrisée, là ils se sont remis dedans. Comme c'est une équipe, comme je l'ai dit, qui a très peu tourné sur le turnover, qui joue son premier match de la saison aussi. Donc on les a remis en selle, mais ils se sont remis en selle aussi parce qu'ils ont travaillé. Je crois que dans la presse et un peu partout, on a beaucoup parlé de victoires à domicile cette saison. C'est ce qui nous avait coûté sûrement des matchs importants l'année dernière et peut-être une place dans le top 4. Et je crois qu'on avait à cœur de bien commencer l'année et c'est chose faite, donc on est très content du résultat. Mais je pense que ça va être nos ambitions toute la saison de la maison, d'envoyer du jeu, tout en restant quand même pragmatique et en sachant marquer les points quand il faut les marquer. Mais ça va être notre objectif de continuer à mettre du jeu. Je pense qu'on a encore pas mal de boulot offensivement. Mais je crois que si on est un peu réaliste, il y a quand même du mieux. Et il faut tirer vers là et il faut continuer comme ça, je pense.